bienvenue sur ma chaîne Virge, c'est moi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, donc premier jour de la semaine avec moi. Donc aujourd'hui on est lundi, mais forcément comme je vous ai passé la vidéo hier, parce que je l'ai tournée hier, cette vidéo, je voulais passer tout de suite. Donc forcément la journée d'hier, on va dire quelque part que qu'il ne s'est pas passé grand chose. Donc j'ai pas filmé du tout hier. Donc suite à cette vidéo, je vous informe qu'effectivement donc les membres veulent une vidéo par jour avec mes travaux réalisés. Donc je remercie Sylvie, Brigitte Marie, Lucie, Nadine de m'avoir répondu à mon petit message, à mon petit sondage. Je remercie également Nathalie de m'avoir répondu également qu'elle souhaitait également une vidéo par jour. Et Nathalie, alors, il y a deux solutions. Soit tu fais à manger le midi, moi je fais à manger le soir, ou vice-versa. Et on tourne les vidéos ensemble. Bon, allez, blague à part. Donc, du coup, vous entendez Tango. Tango, en début d'après-midi, il pète toujours la forme. Donc, aujourd'hui, on est lundi, hein, je le répète. Et donc, mes loisirs créatifs vont commencer cet après-midi, puisque le matin est consacré principalement à mon repas du midi, à mon ménage, à plein de choses. Et à l'eau courant, ce matin, j'ai rien fait du tout. Ce matin, j'ai reçu un partenariat. Et puis en plus, ce matin, il a fallu passer des coups de fil, médecin, pharmacie, etc. J'ai ma fille qui est rentrée hier chez son copain. Et ils avaient l'anniversaire ce week-end, donc elle n'était pas à la maison. Enfin, l'anniversaire chez sa sœur, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait que lui, son frère, sa sœur et ses parents. Et ma fille est rentrée, enfin elle est rentrée hier soir, elle était pas bien du tout. Donc vertige, alors pour moi des vertiges, mal à la tête, etc. Je me dis tu fais beaucoup d'heures en ce moment, donc c'est sûrement la fatigue. Donc ce matin elle m'a envoyé un message, elle est partie bosser, elle m'a envoyé un message, on m'a appelé le médecin pour lui prendre un rendez-vous. Sauf que quand j'ai appelé mon médecin, il m'a dit il faut d'abord qu'elle aille faire un test en pharmacie. Parce que là, ce que vous m'énumérez, c'est des nouveaux symptômes du Covid. Alors ça, je ne savais pas qu'il y avait ces nouveaux symptômes qui s'allongeaient à cette liste. Maux de tête, ouais, forcément. Par contre, des vertiges et tout, ça, nous on l'a tous eu en février l'année dernière. Ma fille qui l'avait ramené aussi du boulot. Et il n'y avait pas tous ces symptômes. Donc là, il a fallu que j'appelle après à son boulot parce qu'elle ne pouvait pas me répondre. Donc il a fallu que j'appelle à son boulot en disant, voilà, Margot, faut qu'elle revienne, soit qu'elle porte un masque. Elle a peut-être le Covid, mais c'est pas encore sûr. Ça peut être justement une chute de tension ou justement ce fameux Covid. Parce que mon médecin me disait que depuis vendredi, elle n'arrêtait pas d'avoir des patients avec un test Covid positif avec ces symptômes-là, justement. Et il disait même qu'ils avaient mal à l'oreille et le nez un peu bouché. Alors bon, on verra bien. Donc hier on était dimanche, hein, donc moi le dimanche c'est consacré à ma petite famille en général. Donc là plus pour très longtemps, mais c'est vrai que pendant la période d'été, le dimanche on bouge pas mal. Donc hier nous on est allé à un inter-village. Donc c'est 4 villages qui se regroupent dans un village et il y a plein d'animations. Donc comme un inter-ville que vous avez pu voir à la télé il y a quelques années. Hein, donc il y a tous des... Désolée, hein, il fait bon, j'ai la porte ouverte, donc voilà, ça passe et ça passe et ça rapasse. Donc à l'intervillage, donc il y avait tous des jeux, il y avait plein de jeux, des jeux dans l'eau, des jeux de basket, des jeux de sumo, des jeux de pétanque avec une grue, enfin plein de choses comme ça. Donc on avait notre neveu et notre nièce qui participaient. Donc du coup, on est allé passer l'après-midi avec eux, plus d'autres neveux et nièces qui nous ont rejoints. Donc voilà, donc hier on est rentré, il était quand même très tard. Donc j'ai quasi pas fait de DP parce qu'en début d'après-midi, je suis allée un petit peu sur TikTok sur un live d'une amie. Donc du coup, j'ai quand même réalisé un petit peu hier, pas grand chose. Donc j'ai quand même fini un carré
sur ce DP ici. Donc, j'en ai fait un petit peu avant de partir. Et hier soir, j'ai dit, allez, il n'y a pas, il faut quand même que je termine mon carré. Donc, voilà, j'ai terminé ce carré ici. Voilà, de ma toile bah, que je dois absolument terminer cette semaine, hein, puisque c'est ma case de mon défi d'action de 15 semaines sur notre groupe. Donc, il me reste cette case à faire ici que je vais faire cet après-midi. Mais ça, vous le verrez en vidéo demain. Je vais vous tourner des petites séquences, etc. Le matériel que j'utilise, etc. pour cette toile-là. Parce qu'en fait, j'utilise un matériel pour cette toile-là et sur une autre, j'utilise pas le même matériel. Bon, bref, vous allez me dire, elle est folle. Mais voilà. Donc, bah, vous verrez tout ça plus en détail demain. Voilà. Et puis, bah, voilà, vous aurez des petites séquences comme ça. Donc là, je suis désolée. Du coup, il n'y a pas eu de petites séquences pour la journée d'hier, hein, puisque ben, quand on est rentré, ben, on a soupé. Et après, ben, mon mari s'est mis un peu devant la télé. Moi, j'ai fini, j'ai voulu absolument terminer ma case. Et je n'allais pas dire à mon mari, ben, tu baisses la télé et t'écoutes plus ton film parce que je vais tourner une vidéo. Hein. Donc voilà, ce qui est compréhensible. Par contre, là, cette semaine, il est de l'après-midi. Donc, je vais être toute l'après-midi, toute la semaine avec vous. Allez, sur ce, ben, je vous laisse. Et je vous dis à demain pour la suite de ma semaine avec moi. Bye bye tout le monde.